Pouf YouTube! Pouf pouf David! Yop! Oh, tu dois dire pouf pouf David normalement. Ouf ouf! Ouais, non mais t'assumes pas là, tu vois, là t'assumes pas là, je suis très déçu. Donc les gars, nouvelle vidéo sur le serveur de David, altislifefr.com, comme d'habitude. Et cette fois-ci, David a ajouté une nouvelle voiture. Alors il a déjà acheté, mais on va quand même voir un peu son prix. Allez, où? Tu l'as mis où dans la liste, la bagnole? Ça y est, je l'ai là. Je l'ai. Non mais je veux voir dans la liste. Alors tu vas dans la liste, c'est ML, un truc comme ça. Alors c'est Mercedes, c'est au-dessus de ML63 Cayenne, à côté de la Cayenne, Porsche Cayenne. En dessous de la Aston Martin. Ouais, exact, allez ici. Donc voilà, donc nouvelle bagnole, allez. Mercedes ML63, qui est dispo en deux versions. On verra l'autre version sûrement dans cet épisode, je pense, vu qu'on va y aller direct. Dispo en plein de couleurs comme d'habitude, 250 km/h vitesse maxi, 510 chevaux, 4 places, coffre, inventaire, blindage, tout ça. Ça vaut 440 000 et ça ressemble à... Mec, j'ai toujours la couleur dégueulasse. Hein. Oh, moi, je l'ai en noir. Voilà. Et ça ressemble à ça. Alors, pour ceux qui arrivent là maintenant tout de suite, qui voient un petit peu, c'est un peu dégueulasse. Au pire, suscite-toi. Attends, non, mais j'ai 39 de vie, c'est peut-être ça. Bah, ah ouais, bah ouais. Bah attends, on va aller se soigner à l'hôpital. Vas-y, on va aller se soigner, on verra ça après. Donc, pour ceux qui trouvent que la couleur est un peu dégueulasse, attends, c'est le spécial Halloween? Non. Ah, si, peut-être. Non, c'est pas le spécial Halloween. Ah, tu me fais peur. Je pensais qu'il... Hein. Bah moi, je l'ai encore, hein, le spécial Halloween, normalement. À moins que tu... Mec, je peux pas monter. Bah, c'est ceux qui l'ont acheté qui n'ont pas détruit, quoi. David, je peux pas monter. David. Si, t'es dedans, mec. Je te vois à l'arrière. Non. Non. Non, non, non. Je te vois à l'arrière. Non, David. Non. Je suis là, David, j'arrive. Arrête-toi. C'est pas moi qui suis monté, hein, s'il y a un gars derrière. Moi, je suis devant, là. Ouch. Arrête de bouger. Mais t'es où, mec? C'est bon. Ah, tu m'as fait peur. Oh, putain, chaud. Donc, les gens... Oh, putain, il y a un petit écran derrière. Donc, c'est le Mercedes ML qui vole. 63 AMG. ML 63 AMG qui vole. Bagnole plutôt badass. Avec les petits écrans à l'arrière. Petite caméra devant. Dispo 4 places et tout ça, enfin bref, la classe les gens. La classe à Paname, moi je vous le dis. La classe à Paname. Je me crache dessus là les gens, c'est une fierté les gens. Attendez les gens, petite pause, j'arrive après. RE! Donc, les gens pour info, je coupe mon stream dans 30 minutes, je vais pouvoir aller rechercher mon chien chez le vétérinaire. Donc je suis soigné, couleur toujours aussi dégueulasse pour moi. Non, le premier panneau, sur la droite. Ouais, non, mais c'est bon, c'est déjà fait en fait. Mais genre, tu vois, je vais acheter des bouteilles d'eau vu qu'il fait très chaud, tu vois, vu que tu ne fournis pas les bouteilles d'eau. Hein? Je vais mourir. Voilà, oula. La qualité est en approche là. Alors, voyons voir, vu que ça descend beaucoup moins. Mercedes. Allez, on y va. Attends, je regarde la voiture. Ah merde! Je savais pas. J'écoutais les vidéos au départ. Non, mais je suis devant. Tu me vois ou pas? Je suis à côté de toi là, je te tourne de toi. Putain, c'est vachement classe. Et le petit geek, ça fait tellement classe, tu sais, en métal un petit peu. On dirait que c'est la version... Tu sais, comme il y a la version AMG, là, on dirait que c'est la version geek. Par contre, c'est dommage... Ah, c'est la version geek. Ouais, non, mais... Enfin, bref, je comprends. Par contre, c'est dommage, ouais. C'est à l'arrière, c'est en noir, le truc Mercedes AMG. Bah, parce qu'on l'a pris en noir, en fait. Non, mais je pense que c'est juste l'effet, en fait. Parce que là, regarde, par exemple, le M, je le vois en argenté. Ouais, mais j'ai l'impression que peut-être au niveau de la texture, au niveau des trucs, ouais, c'est un peu moyen. Peut-être, ouais. Mais vachement beau, hein. Putain, avec les 4 pots derrière, c'est tellement magnifique. Ce que j'aime bien sur Altis, c'est les véhicules, ils ont... On dirait qu'ils sortent d'usine. Il n'y a aucune bagnole qu'on dirait qu'elle a déjà roulé, tu vois. Les pneus sont super beaux, super lisses, les jantes sont belles, il n'y a pas de griffes. Nous sommes les Qataris. En gros, il n'y a pas d'occasion, tu vois, sur Altis. Allez, en avant. What? Wouah, David, qu'est-ce que t'as fait? What the fuck, j'ai reculé sur un poteau, enfin un petit plot, et ça m'a déboîté la voiture. Attends. Oh non, je vais prendre un petit screen vu que tu te l'avais mis. Putain, les gens, c'était magnifique. Ah, là, il y a une de ces explosions, voilà, fumée. Attends, David, mais non. Excuse-moi. Non, mais t'es au courant que dès que je monte, je peux pas monter à l'avant, hein. Il me met à l'arrière à chaque fois. À l'arrière? Bah, je suis ton chauffeur, je suis un Uber.
Oh là mec, arrête. Non, arrête, ça a dégénéré là. Quand je vois ce qui est en train de se passer. Ouais, la MG là, laisse tomber. La ville, il a fait un de ces trucs. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, qui aiment bien un petit peu les petits trucs comme ça, quand j'ai testé un 4x4, je sais plus c'est lequel, j'ai réussi à faire un salto avec. Ah oui, c'était avec moi, non? Oui, c'était lequel? Le Toyota. Allez voir la vidéo sur le Toyota, je crois que c'était un épisode Top Gear en plus. J'ai réussi à faire un salto avec. Truc que j'ai fait qu'une fois. Et je suis retombé sur les roues et je suis reparti. La bagnole a pas explosé, rien du tout. Donc voilà, si jamais vous ennuyez, vous pouvez aller checker ça. Bon, on peut applaudir David, hein, bien évidemment, pour ce magnifique... Exactement, voilà, on va se diriger sur l'autre nouveau véhicule. Fail. Il fait tellement chaud, les gens. C'est incroyable. Incroyable. Allez, vends-moi du rêve, David. Vends-moi du rêve. Bon, on est en direction. Il te reste combien? 30 minutes, c'est ça? Ouais, j'attends que ma copine rentre du taf, et puis après, je vais à l'homme, pour ceux qui connaissent. Il va avoir un... Je vais voir l'homme. C'était la blague, vous n'êtes. Ouais. Non, si, c'est vrai, il y a une ville qui s'appelle... Je vais pas à l'homme, hein. Mais il y a une ville qui s'appelle l'homme près de l'île. L-O-2-M-E. Et après, j'aurais fait la blague parce que j'étais gay. Parce que je suis content. Vous voyez, puis avec l'homme, ça faisait un petit peu... voilà. Enfin bref, j'arrête. Homme gay. Merci, David. Merci. De rien, de rien. Merci, David. Merci. Donc voilà, bref. Donc voilà, c'était l'histoire. C'est l'histoire de la vie. Il fait chaud. Ouais, c'est Patrick Sébastien qui a fait un truc comme ça, mais là, c'est juste hallucinant. Hier, je me demandais, pour stream, parce qu'en ce moment, je peux stream tous les jours, je me disais, le meilleur moment, c'est quand? Alors, le matin, ça sert à rien parce qu'on dort tous. Ou alors, enfin, moi, perso, le matin, j'aime bien taf et faire des miniatures, et c'est cool et tout ça. Du coup, je me suis dit, début d'après-midi. Début d'après-midi, pour stream, il fait très, 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 très chaud. J'ai trois écrans, il y a le PC qui chauffe, c'est intenable. Et du coup, je m'étais dit, bah c'est pas grave, je vais stream le soir alors. Bah là, ça fait deux soirs de suite que je stream la nuit, il fait trop chaud. En fait, il n'y a pas d'heure pour stream. Ou alors, faut stream entre 6h du matin et 9h. Non, il fait quand même chaud, mec. Non, mais c'est là, normalement, où il fait le plus frais. Parce que sinon, laisse tomber, il fait tellement chaud. C'est un truc de cinglé. Mec, te plains pas car je suis au Maroc. Ouais, mais toi, t'as l'habitude aussi, au Maroc, il fait toujours chaud. Nous ici, il fait jamais chaud, toi chez moi, il pleut tout le temps normalement. Ou très souvent. Ouais, on va pas dire qu'il pleut tout le temps dans le nord, mais normalement... souvent. Quand il fait 25 degrés, c'est chaud, tu vois, c'est canicule. Là, il fait 36, bientôt 40, et je pense qu'en plein soleil, il fait 40 degrés s'il n'y a pas de vent. Donc ça va être un truc de cinglé. Vous allez me revoir dans une semaine, je serai tout maigre, si je bois pas assez. Après le reboot, là, tu pourras pas trop co, le serveur il est DDoS. Ah bon? Il nous reste une minute, il restart après. Ah, c'est restart. Bah, je trouve pas. Si son serveur il se fait DDoS, là c'est cool parce qu'il se passe rien. C'est jouable encore. Sauf chez moi, quand ça DDoS, c'est dur. Hein. On peut rien faire. Est-ce qu'on aura le temps de voir la version que tu sais? On est arrivé là. On est arrivé. Il est où le corbel, David? On est arrivé, mec, t'as vu tout ce qu'il reste à faire? Bah, c'est juste devant, là, juste accélérer. Ouais, mais tu sais ce qui se passe quand t'accélères, David? Bah, on meurt. Ouais, voilà. Oh, un pas en avant. Dis-moi quand on est à gauche. En arrière, vas-y. Alors, attends. On passe par Yoa Nina. Moi, je n'importe la route, quoi. Ouais. Non, mais ça va aller, là. Vas-y, station. Station service 15, on tourne. Oh! Voilà, j'avais dit quoi? Oh! Mec, au point où on en est, tépez-nous là-haut. Hein. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez. Et j'avais envie, il y a un gars, il a mis. Au point où on en est, fait la spawn. Disons que David a installé un plugin qui ajoute les repair kits automatiques à lui en fait. Parce que sinon, ouais, si on devait compter, si à chaque accident je devais gagner 1 euro, ma piscine en diamant, j'en aurais deux. J'aurais deux bassins de 60 mètres. Piscine olympique. Ouais, piscine olympique. Oh le Qatar.
Le Qatar, le Qatar, le Qatar. Le Qatar, c'est vraiment génial. Ah super, tu feras quand le truc avec les zombies sur Altis Life qui dure longtemps? Jamais, jamais. C'était quoi le truc avec les zombies? Je sais pas de quoi il parle. C'est moi qui avais encore dû avoir une idée incroyable, je pense. Ouais, t'as dû avoir une idée poubelle. J'avais eu l'idée de la purge, mais pour le faire, faut le faire avec des gens sérieux et pour le moment, c'est pas le cas. Mais sinon, non, j'avais pas parlé de trucs de zombies, je crois D'accord. pas. Mais mec, tu conduis On tellement dit quoi? mal! Attention! Ah, regardez Je me pas, c'est pas prépare! Je beau, me c'est pas prépare! beau. Vas-y, on fait un compte. Hop Hop là! là, nous sommes arrivés à Hop destination. là! Ah! J'ai laissé un message après le bip sonore. À bientôt. C'était bien long! Ah! Cherchez des sous à la thème. Oh putain, l'autre il a garé son camion, mais genre juste à côté. Vas-y. Oh, c'est quoi la caisse de munitions là? Ah non, c'est des tentes! Ah oui, c'est des tentes. Ok, ils ont essayé de faire un truc un peu réel. Il y a une grosse baraque de cinglés. Mais genre, les gars, ils dorment en tente devant. Alors là, les gars, attention, attention. Donc, on est venu en Attention, Mercedes. mesdames et messieurs, On est venu attention, ça avec va ça. commencer. Donc, Mercedes AMG 63, c'est ça? Attends, Ouais. j'oublie tout le temps. Non, c'est la ML63 AMG. Tu es Voilà. prêt? Qui est en civil. Vas-y, vas-y, envoie. Donc, vous la voyez, vous la voyez, vous la Ah voyez. Qui est magnifique. ben... Et il y a celle-ci qui Ouais, bien existe taille. également. Donc, c'est C'est la bon. Mercedes AMG 63. Mais en mode terroriste. En mode Mad Max, je sais pas si vous Ouais. connaissez un peu le style Mad Max. En mode quand il y a un peu trop de neige, c'est lui que t'appelles, tu vois. Avec des lampes un Voilà. peu partout, la Chasse-neige, quoi. gars qui s'est un peu trop fait plaisir, je pense. Oh, oh là là. Oh là là, la truc de cinglé. Je la trouve pas. Attention. Je la Désolé. trouve pas belle belle, mais je trouve qu'il y a un style, tu vois. Mais je trouve qu'il s'est un peu trop fait plaisir, tu vois. Genre, il y a le pot qui Ah, sort de là, tu c'est sais pas trop violent, ce que mec. c'est. Ouais, il y a de l'idée, tu vois, c'est cool, hein. Y a une lampe là. Ouais, mais c'est pour ça, je comprends pas trop, tu vois, ce qu'il a Là, y a voulu. des spots là devant les petits spots. Regarde, mets-toi à l'intérieur, tu vas voir, c'est vraiment Vas-y, on dans le regarde ça. délire, quoi. Mad Max, les gens. Oh Vas-y, accélère. là là. Qu'est-ce qu'il me fait, cette andouille, là? Ah, il a andouille. Tant pis, je l'ai écrasé, non? Non. Ah si, tu l'as écrasé. Ah ouais, bah tant pis pour lui, hein. T'inquiète, je le souhaite. Oh putain. Eh, mais. Elle est belle, mais en même temps, elle est pas belle, tu vois. Genre, la lampe torche derrière, je demande une Mais explication, tu ça, vois. c'est Mad Mais Max. C'est Mad Max, mec. c'est vrai Mais qu'elle je crois, elle, est. imagine, elle s'allume. J'ai jamais vu si elle s'allumait derrière ou pas, la lampe. Non, faut qu'il fasse nuit, mec. Hop! Salut! Oh Ah là mon vieux, là. tu me reconnais? N'importe quoi, les gens. Mais c'est vrai que ça fait un peu Mad Max, mais ça me fait aussi un peu penser à. D'accord. Bravo! Ça commence très bien, ça, il vient juste de la conduire. Bah, je sais pas, moi, je vois un pare-brise Et en devant, plus, tu il m'attend vois. pas, merci. Allez! Hé! Hey ah, oh, bah voilà mon vélo! Bah quoi, t'es derrière? Bah non! Bah si! Non, je te cours à l'arrière là! Bâtard! Allez, viens, je t'attends. Ouais, celle-là est bien, mais je la trouve pas magnifique. Après, vous me direz, les gens, attention, hein. Après, je Chacun a le tape. droit de penser ce qu'il veut. Moi, je la trouve bien, mais on va mourir. Non, c'est bon. Je la trouve bien, mais je trouve que je sais pas. Je sais pas. Je sais pas trop ce qu'il a essayé. Enfin, ce qui. Le pire, c'est la lampe, quoi. Regardez comment sais, ça me fait un peu penser au bagnole. Je crois que c'est un style qui s'appelle Rats, un truc comme ça. Ou genre, les gars, ils font des. Vous savez, il y a des gars, ils custom des consoles à la Zelda, à la Pokémon. Bah, il y a un style qui s'appelle Rats, je crois. Un peu un truc de punk, en fait. Ou genre, ils cassent des bagnoles, ils cassent des trucs, ils mettent des têtes de mort, ils rajoutent des trucs et tout ça. Ça me fait un peu penser à ça en style. Mais l'idée du truc devant est cool, tu vois. Il y aurait moyen de faire une DDE et de l'utiliser pour pousser les bagnoles. Ça, c'est une bonne idée, la lame. Attends, il y a un truc. Ça C'est fait quoi le peur. truc qui est là, qui pendouille? Où? Là, entre les trucs, là, y a un bout de truc qui est planqué. Non, je... Non. Si, là, je le C'est la vois. perche. Ça perche. Ah, le truc du milieu, là? Ouais.
Oh, je sais pas, c'est une fixation, mec. Oh, le mec, il regarde les détails, quoi. Attends, je vais chercher des outils dans le coffre, on va regarder ça de plus près. Vas-y. Mais sinon, le camo, il classe. En rebelle et tout ça, ça fait plaisir. Il y a un camo aussi arctique aussi. Dans cet esprit un peu neige. Ouais, je sais ce que c'est arctique, David, c'est gentil de vouloir aider. Non, je te le dis, on sait jamais, quoi. Ouais, non, mais ouais, je vois. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais je sais pas, les gens, alors, votre avis. Et tout le monde la kiffe. Pourquoi la couleur est bizarre? Parce que c'est camo, en fait. Mais c'est vrai que le camo à l'arrière est un peu camo sable. Ouais, non, ça va, non, je la trouve pas bizarre, la couleur. Ça... Allez, je rentre dedans, on va faire du drift. On va faire du drift. Ouais, mais le pire, c'est la lampe sur le côté, tu vois. On dégage, laisse-moi passer. Qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce que t'as? Oh là 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 là. Ça descend, ça va exploser. Ah non, c'est le reboot, non? Ah ouais, peut-être. 16h, les gens. C'est l'heure du duel. Du duel. Parfait, les gens, nous on cesse là-dessus. C'était un super David. On était sur son serveur. On vous a montré donc la Mercedes ML63 version AMG en civil et en rebelle. Est-ce qu'elle est dispo en police? Non. Peut-être plus on tard. On a Renault Trafic en police. Ouais, Renault Trafic qu'on a vu au début, ouais. Bon, on a déjà des véhicules similaires au ML en fait. Donc... Ok, ça marche. Parfait. J'aime bien cette bagnole. Je trouve classe. En civil, je la trouve classe. Là, avec la lampe sur le côté, je suis un peu perturbé en fait. Parce que tu vois, il y a un pot qui ressort alors qu'il y a déjà 4 pots derrière, il y a un pot qui ressort au-dessus. Mais après, bon. On testera le flashball si tu veux. Il est Hertz modélisé si tu veux. Oh. Gek a voulu tester un truc. Bon, il a bien raison. Mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Les gens. Ah, mais t'as pas vu le Hummer non plus? Non, il est dispo le Hummer. Oh là là, les gens. Faut leur regarder les prochaines parties, les gens. A plus dans le bus. Tchou.